Les enquêteurs de Testachat ont sillonné les rues de la capitale à deux moments distincts et à 6 ans d'intervalle. Leur constat est sans appel. Malgré de gros efforts, on peut constater que malheureusement, les communes d'Anderlecht, les communes de Schaerbeek, Molenbeek sont principalement les communes encore qui sont trop salies. Et c'est là qu'on constate le plus de comportements inciviques. Des relevés qui n'étonnent pas la cellule propreté de Schaerbeek. Ici, on effectue plus de 50 000 interventions par an pour des problèmes de propreté. Sans parler des sanctions à la clé, plus de 1700 PV ont déjà été dressés cette année. On verbalise, on travaille jour et nuit. Ce soir, cette nuit, on travaille encore. Et on arrive à des chiffres quand même assez impressionnants. On a déjà dépassé ce mois de août, on a déjà dépassé les chiffres de verbalisation de toute l'année 2017. Mais la répression ne solutionne pas tout, selon Testachat. Dans les conclusions de son enquête, le défenseur des consommateurs estime aussi que pour décourager les incivilités, il faudrait que les communes instaurent des peines alternatives, comme obliger les récidivistes à nettoyer eux-mêmes leur crasse.